Qu'est-ce que je fais? Je veux 100 minutes. Les gars, venez, on dégage cette voiture d'ici. Allez, on pousse. Allez, poussez ça. Que se passe-t-il ici? Cet insensé a garé cette connerie en pleine route. C'est qui ce singe? Regardez, il est là. Mon prince, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Je suis pauvre et faible. S'il te plaît, aide-moi. Oh, aide ta mère. Je n'ai rien mangé, j'ai faim, s'il te plaît. Comment oses-tu poser tes sales mains sur mon vêtement? Hein? J'ai faim. S'il te plaît, aide ta mère, s'il te plaît, et mon fils. Et vous regardez tous. Bikonu. Hey. 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 Oh, Dieu. Oh, hey. Oh, 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 oh. Mon Dieu. Je peux pas supporter ça. Mon Dieu. Je peux pas. Mon J'ai besoin de nouveaux vêtements. Vous entendez? Hey. Vite. Vite. Mon Dieu. Oh, aide-moi. C'est de votre faute. Jésus, oh, viens toucher mon cœur. Oh. Alors ça vient mon vêtement, s'il vous plaît. Pour avoir traité une vieille femme de cette façon, tu deviendras laid. Si laid que personne n'osera s'approcher de toi ou alors t'aimer. Jusqu'à ce que tu aies un cœur d'amour pour les autres. Alors là, tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer malgré ta laideur. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous un peu, j'étouffe! J'étouffe! Je peux pas supporter ça! Mais j'étouffe là! J'étouffe! Jésus! Jésus, ouais, tu es où? Jésus, tu es où? Jésus, viens toucher mon cœur. Jésus, et moi, Jésus-Christ, Jésus, viens toucher mon cœur. Allez, lève-le plus haut. Ça c'est bien. Le prince est à nouveau à la maison. Ça c'est super, mais c'est super. Oui, tu me fais comme si tu ne m'avais pas entendu. J'ai dit, pour avoir créé une vieille mendiante de cette façon, tu deviendras laid. Si laid que personne n'osera s'approcher de toi ou même t'aimer jusqu'à ce que tu aies un cœur d'amour pour les autres. Alors là, tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer malgré ta laideur. Moi, laid, le brun laid, c'est ça? De toutes les façons, tu es une vieille femme, tu m'as dit. Et tu cries que je serai laid? Et tu veux mon argent, c'est ça? Hein? Ici, la laideur, c'est toi! Hey! Ah, je prends ton bâton. Hein. Ta caméra. Vraiment, mon fils. Tiens.
Lève-toi. Lève-toi. Ça va. Que Dieu te bénisse. Ça va. Doucement. 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 Oh. Doucement. Désolé. Mon assiette. Merci, oh. Ça va, hein? Merci, mon fils. Désolé. Hey. Hey, oh. Hey. Écoute, ma chérie, si tu m'épouses, ta vie et celle de ta mère changeront en bien. Et épouser Davidson Ndokako te permet d'avoir tellement de fortune. Et ces fortunes, heureusement, s'étendront jusqu'à ta famille. Ouais. Et aussi sur cet endroit. Et je vais finalement le rétablir. Tu sais le rendre convenable. Ouais. Ma chère. Épouser Davidson Ndokako te fera atteindre tous les niveaux que tu voudrais atteindre concernant ton éducation. Tu vois, pour faire court sur tout ce que je suis en train de dire, c'est si tu épouses Davidson Ndokako, tu diras juste au revoir à la pauvreté pour de bon. Et qu'est-ce qui te fait penser que nous vivons dans la pauvreté? Peut-être pas de la pauvreté, mais voyons. Je veux dire, toi et moi savons que cet endroit manque de tellement d'équipements, de tellement de choses. Et si, ma chère, tu épouses Davidson Ndokako, tous ces biens et patrimoines viendront à toi comme ça. C'est Davidson Ndokako qui parle. Ne l'oublie pas. Bien, monsieur. Je n'oublierai pas cela. Bien, bien, bien. Mais partez maintenant, car je dois me rendre au marché pour écraser le haricot. Et comme vous le savez, il y a toujours une longue queue là-bas. De plus, ma maman sera là bientôt. Donc, je vous en prie, partez. T'ai-je bien entendu? En fait, Davidson est en train de te parler et toi, tu me parles d'haricots? C'est une insulte, tu sais. Monsieur, ce n'est pas mon intention, ok? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je me tienne ici à t'écouter toute la journée. Regarde-toi. Tu dis que tu veux m'épouser, mais tu es incapable d'entrer chez moi. Encore moins de prendre un verre d'eau venant de moi. Pire encore, recevoir une chose qui vient de cette maison. Tu sais quoi? Sincèrement, j'ai tellement de choses à faire en ce jour. Alors il vaudrait mieux que tu t'en ailles maintenant. Tu sais, je vais juste faire semblant de n'avoir pas entendu ça et pardonner ton ignorance. Et au même moment, je vais enseigner cette ignorance. L'homme qui est tenu devant toi, c'est Davidson Ndokako. J'ai fait tellement d'argent. J'ai de l'argent. Et si tu dis cela à ta mère, Davidson t'a empêché de faire quoi? Griller du haricot? Elle va même pas écouter un seul mot. Elle fait jouer la dure, c'est ça? Ok. Les gardes du palais nous ont demandé de venir ici. Les gardes du palais? Oui, monsieur. On vous a donné un rendez-vous? Oui, monsieur. Comment est-ce possible? Ok, attendez une minute. J'arrive bientôt.
Et qui sont ces gens? Et qu'est-ce qu'ils veulent dans mon palais? Mon prince, ils disent que les gardes du palais leur ont demandé de venir vous voir. Ils ne peuvent pas me voir habillé de cette manière. Je n'admets pas que des gens viennent dans mon palais habillés comme des rats. Hé! Vous connaissez le portail. Mettez-vous dehors! À partir de maintenant et pour toujours, il y aura des cartes d'autorisation royale et des uniformes pour les invités. Et quiconque souhaiterait me voir, ai-je été suffisamment clair? Oui, mon prince. Bien. Aussitôt que ces deux voitures seront de retour, faites-le-moi savoir. Oui, mon prince. Mon prince, votre paix est vie. Merci. Tu deviendras l'aide. Si l'aide que personne n'osera s'approcher de toi, ou même t'aimer, jusqu'à ce que tu aies peur. Sa vie. Il devrait déjà être là, à moins qu'il a oublié. Et après, il va se fâcher. Tu sais combien de fois il est colérique. Oh. Pourtant, il a entendu quand je lui l'ai dit. Tu sais quoi? Je vais aller le lui dire moi-même. Surtout, attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne. D'accord. Okay? Antonia, c'est moi, ton prince. Approche, n'aie pas peur. Viens. Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Pourquoi ma foi? Thank you.
Écoute, tu dois parler à ta fille. En fait, j'ai essayé de lui parler pendant la journée. Mais je suis ici pour te demander encore de lui parler. Si elle m'épouse, je lui donnerai le monde entier. Oui, tout ce qu'elle voudra sera juste à ses pieds. Et toi, et ta santé? Je te ferai régulièrement voyager pour des vérifications médicales. Bien sûr que oui. Ce que je veux dire, mais regarde cet endroit. Regarde tes chaises. Je vais rénover cet endroit et t'acheter des chaises, de bonnes chaises. Comme cela, mes invités seront confortables lorsqu'ils viendront à la cérémonie de mariage. Hey. Bien sûr que oui. Parle-lui juste. Parle-lui. Ah. Chantelle est belle. À tel point qu'elle doit se mettre avec un bel homme comme moi. Ou alors tu ne le penses pas? Bien, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Mais tu sais, Chantelle, elle a sa façon de penser. En tout cas, je vais lui parler. Okay. Et je te mettrai au courant. Oui, tu dois le faire. Ok, d'accord. Tu dois le faire. Mais voyons, je suis le célibataire le plus éligible de ce village. Elle ne peut pas demander plus que ça. Je sais. Laisse-moi te chercher un peu non, toi. Non, maman, c'est bon, c'est bon. Je ne veux pas paraître impoli, mais je bois seulement de l'eau fraîche. Donc, j'ai mon eau fraîche dans ma voiture. Oui, j'ai un frigo dans ma voiture. Mais puis-je t'accompagner au pied? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais voyons, tu sais que tu es... Ma future belle-mère ne devrait pas vivre dans ce genre de tout dit. Mais voyons, là. Il n'y a pas de problème. Mais ça va, allez, ça va. Néo, maman, cet homme t'aime tellement. Il vient ici régulièrement. Ça, c'est le genre d'homme que tout parent aimerait avoir comme beau-fils. D'ailleurs, il a promis de faire beaucoup de choses pour nous. Maman, je l'ai dit avant et je le redis maintenant. Je n'ai pas envie d'épouser cet homme. Au fait, je ne l'épouserai pas. Cet homme est impoli et arrogant. Quand il vient dans cette maison, il ne veut même pas s'asseoir. Pour lui, le monde entier doit être à ses pieds. Maman, je ne veux pas être l'épouse d'un tel homme. En tout cas, ça va. Je ne peux pas te forcer puisque tu dis que tu ne l'aimes pas. Mais Inès, j'aimerais que tu réfléchisses bien à propos. Je ne crois pas ce que je viens de voir. Hey. C'est comme un rêve. Comment cela peut-il être possible? Hey, Dieu. J'essaie vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Mais je n'arrive pas. Ça s'est produit d'un seul coup. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas où. C'est une question sérieuse. Hey. L'on ne cessera jamais d'être étonné. Oh Dieu. Mes frères, nous devons trouver un moyen pour résoudre ce problème. Et comment allons-nous régler ce problème? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que la situation s'empire. Je t'ai appelé.
une vieille femme, une mendiante, m'a lancé un sortilège. Ambrose la connaît. Je veux que tu partes avec Ambrose. Non. Dis à Ambrose de prendre 4 éléments. Qu'il m'amène cette femme ici. Oui, mon prince. Basandé, Basandé, c'est qui là? C'est moi, Etché Ozoma. Bonjour, Etché. Bah, bienvenue. C'est le prince. Il s'est soudainement transformé à quelque chose que je ne peux pas décrire. De quoi est-ce que tu parles là? Ozoma, le problème qu'il a en ce moment, on dirait que tu es la seule personne à pouvoir le résoudre. Je t'en prie, peu importe ce que ça coûtera, je t'en prie, viens immédiatement au château. Il faut immédiatement venir au château. Je t'en prie. D'accord. D'accord. Je vais venir immédiatement. Hein? Je vais venir. D'accord. Je vais venir. D'accord. Et tu wawa. Et tu wawa. Voilà ça. Voilà ça. Si je pouvais exploiter cette affaire, c'est à mon avantage. Je déménagerais pour une plus grande cité. Et tu wawa. Il faut que j'aille me préparer. Et tu wawa. Oh, Kemiri. Oh, Kemiri. Ah. Oh, Kemiri. Ah. Qui ici? Kembu, sur le territoire de Hopulu. Tu es fort. Tu es la nente venue ici avec une plainte. C'est Saint-Jean. Tu es allé en Allemagne et est revenu ici. Avec la plus belle fille d'Allemagne. Tu es trop fort. Tu es puissant. Hey, Ike de Nobi. Si vraiment je suis toutes ces choses, alors pourquoi est-ce que Chantal, une fille de famille pauvre, refuse mon gentil geste qui est une demande en mariage? Pourquoi? Ok, Mérine.
La vérité est que de un, l'ignorance. De deux, l'immaturité. C'est comme ça que j'appelle ça. Oui. Donc, vraiment, grandi. Parce qu'elle fantasme sur le jardin. Mon con. Dans les films romantiques. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Tout ce qu'ils savent, c'est je t'aime, tu me plais. Tu es l'oreiller de ma tête. Et tout, c'est foutaise. Mais ne t'en fais pas. Je vais parler. Quand j'aurai fini avec ta sapera, ce sera toi. Acceptera ton gouvernement. Ike de Nobi. Oh, Kaniri. Tu sais que j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai fait tellement d'argent à l'étranger et maintenant je suis rentré. Si tu peux faire cela pour moi. Bien sûr que tu sais ce que je peux faire. Tu seras bien récompensé. Ah! Tu vois, je n'ai pas envie de perdre cette fille. Je ne veux la perdre pour aucun homme dans ce village. Ok, mais Miri, détends-toi. Tu peux compter sur moi. Tu es trop bien pour être rejeté par une pauvre fille. Va, ton vin. Détends-toi. Tu peux même aller dormir, il n'y a aucun problème. Parce que ce que tu considères comme problème n'est rien du tout. Ok, Miri. À chaque fois que je te vois, j'ai. Allez, viens, on entre. Viens. Tout ce que tu as à faire, c'est de me trouver. Des filles vierges. Trouve-en autant que ta main peut en trouver. Et à partir de là, je vais choisir la plus appropriée pour cette tâche si importante. Oui. Des filles vierges. Exactement. Qu'est-ce que je peux bien foutre avec des filles vierges? Otose. Si tu me trouves une fille vierge, ce maléfice me sera défait. Ah. Oui. Ah. Et je te promets que tu seras plus attirant grâce au travail que je pourrai faire. Plus attirant. Donc, tout ce que je dois faire, c'est de te fournir de belles filles vierges. Exactement. Si nous pouvons faire ça, il n'y a plus besoin de chercher la solution ailleurs. Oui, c'est exactement cela. Amobi. Oui, mon prince. As-tu entendu cela? Clairement, mon prince. Occupe-toi alors de cela. Occupe-toi de cela. Oui, mon prince. Sur le champ. Amobi, reviens ici. S'il te plaît, n'oublie pas. De très belles filles vierges. D'accord, Nai. C'est clair? Très clair, Nai. Non, c'est inimaginable. Comment peux-tu quitter le duplex qui a été conçu pour toi au ciel par Dieu lui-même pour décider d'aller vivre dans le QG du diable en enfer? Hein? Ok, d'accord. Davidson and Tita Prizes Limited. The Davidson Petroleum Company Limited. The Devino Hotels de Poraku. Ensuite, le Davidson Renta Services Limited. Tout.
appartient à une peste. C'est ça, cet homme veut t'épouser et tu dis non. N'as-tu t'as raison pour rejeter une telle proposition. Dis-moi. Bien. Merci pour ces informations. Je les garderai à l'esprit. Mais ma maman n'est pas encore de retour. Alors, permets-moi de te dire que je te donnerai une réponse. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes ce que je... ce que je dis? J'ai dit que je te répondrai. Et même si j'accepte cette proposition... Est-ce... Franchement, est-ce à toi que je dois le dire? Hein? Je t'en prie, je dois aller chercher ma mère. Ça va. Ça va. Ça va. Réfléchis. Sers-toi de ta tête et raisonne un peu. Ça va? C'est bon. Ça va alors? Mon prince. On l'a cherché dans toute la ville, mais on n'a pas pu la trouver. Quoi? Quoi? Vous avez cherché dans toute la ville une misérable mendiante qui a eu le cran de me jeter un sortilège et vous ne la retrouvez pas dans cette ville? C'est quoi cette sottise que tu me racontes? Doucement. Calme-toi. Une fois qu'on aura ces belles filles vierges, la solution sera trouvée. Oui. Pas besoin de s'alarmer. Calme-toi. Calme-toi. Toi, tu iras bien. Calme-toi, s'il te plaît. Le Dana. Oui, mon prince. Je veux que vous fassiez le tour de la ville et que vous me rameniez toutes les femmes que vous pourrez enlever. Est-ce que c'est clair? Oui, mon prince. Allez-y. Je ne sais pas ce que j'aurais fait maintenant. J'aimerais te remercier pour les médicaments et... Viens. Attends, c'est quoi? J'aimerais te remercier pour les médicaments et tout ce que tu m'as donné. D'accord, mais c'est... Attendez. Et entrez dans la voiture. Entrez dedans. Jésus. Allez, va-t'en. Vas-y. Bon. Allez, viens là. Non, il n'y a pas à être effrayé. Laisse-moi juste t'amener où tu seras plus à l'aise dans cette maison. C'est un très bel endroit. Tu vas aimer ça. Allez, viens. Laisse-moi t'amener là-bas. Voilà. Non, ne pleure pas. Tu vas aimer ça. Allons-y. Tu peux t'en aller. Tu peux partir. Vas-y. Alors, quand je vais finir, tu seras plus attirant que ce que tu étais avant. Prends juste ton bain avec leur sang. Tu parles d'un meurtre? Le meurtre, c'est le seul moyen de sortir. Puisqu'on n'a pas pu avoir la vieille mendiante. Oui. Alors, permets-moi d'aller en action immédiatement. Ah.
Lucas, j'étais en train de venir chez toi. Moi également, je venais chez toi. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Ma maman a rendu visite hier à la tienne, mais jusqu'ici, elle n'est pas encore de retour. Oui, ta mère était chez nous hier soir. Mais ma mère l'a reçue d'ailleurs, donc je suis surpris qu'elle ne soit pas encore rentrée. Mon Dieu. Nous étions inquiets durant toute la nuit. Tu sais, mais on s'est dit après réflexion qu'elle a dû décider de passer la nuit chez vous. Pour des raisons indépendantes de sa volonté. Tu veux dire que ma mère n'est pas chez toi? Maman! Chantal! Chantal, attends! Attends-moi, on y va ensemble! Femme de votre genre a eu l'audace de me jeter un sortilège. Moi, le douze, du territoire de Golo, nous sommes à sa recherche. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore retrouvé. Jésus! Comment oses-tu? Comment oses-tu me regarder en face? Pardon, pardon, pardonnez-moi. Est-ce que tu vas la fermer? Tu veux regarder mon visage pour que tu ailles dire à tout le monde à quel point je suis moche. Pour cela, tu resteras ici jusqu'à ce que toi et bien. Ainsi tu feras à quel point je suis beau. Ambrose. Mon prince. Arrête là et enferme là. À vos ordres, mon prince. Viens. Viens avec moi. Viens avec moi. Ma fille, ma fille, ma fille. Viens. Toutana, mon prince, laisse-les partir. Allez, sortez, tout le monde, courez! Amobi, mon prince, je veux que tu ailles voir mes tailleurs. Demande-leur de venir sur le champ. J'ai besoin de plus de vêtements royaux. Oui, mon prince. D'accord. Si tu vois le prince Maurice, l'air d'un vieux vieillard. Chantal, je veux dire un vieux vieillard. Et je n'ai jamais vu un truc de ce genre de toute ma vie. Hey! Qu'à Dieu ne plaise.
Et tu sais quoi? Il a dit que c'est une vieille mendiante qui lui a lancé cette malédiction. Mais ma mère n'est pas la vieille mendiante. Je me rends là-bas maintenant. Chantelle, attends. Ne sois pas si pressée. D'accord? J'ai dit attends. Chantelle, reviens ici. Chantelle, reviens ici. Amorbi. Oui, mon prince. Ah. Regarde-moi. Regarde ce que je suis devenu. Je veux que tu dises au major donc que je ne veux plus voir un quelconque miroir dans ce château. Tous les miroirs doivent être couverts ou encore enlevés. Et je ne veux plus recevoir un quelconque invité. Jamais. Oui, Neva, est-ce que c'est clair? Oui, mon prince. Je ne veux plus recevoir d'invité ici. Personne parmi mes serviteurs n'a le droit de me regarder le visage ni de parler de ce qu'il a vu. Parce que si cela arrive, deux choses se passeront. Je leur fermerai les yeux pour commencer. Et je leur couperai leur langue. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Oui, mon prince. C'est mieux comme ça. Je pense. Tu devras aller les appeler. Qu'ils se rassemblent ici. Je leur parlerai moi-même. Oui, mon prince. Vas-y.
Chantelle, Chantelle, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venue ici? Non, 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 tu dois rentrer à la maison. Cet homme est vraiment sans cœur. Maman, mais pourquoi il t'a fait ceci? Pourquoi? Rentre. Maman, mais pourquoi ils ont pu faire ceci? Quelle raison? Non, maman. Voilà ce que je disais. Je te demandais, qui es-tu? Je suis là pour voir ma maman. Qui es-tu? Je vous en prie. Elle est ma mère et elle est très malade. Elle n'est pas la vieille mendiante. Ta mère est impolie. Elle m'a insulté. Monsieur, je vous en prie, pardonnez-lui, elle ne l'a pas fait exprès. Je vous en prie, monsieur. Je ne le ferai pas. Elle se moquera de moi. Si je la laisse sortir d'ici, c'est une femme comme elle qui m'a mis dans cet état. Je ne la relâcherai pas. D'accord, monsieur. Je vais prendre sa place. Chantelle. Oui, je vais la remplacer. Elle est très malade. Si elle y reste, elle va mourir. Je vous en prie, monsieur. Je promets que je ne bougerai pas d'un pouce à moins que vous me libériez, monsieur. Et si jamais vous entendez parler de ceci, prenez ma fille. Très bien. Si tu souhaites prendre sa place, ça me va. Garde. Échange-le. Chantelle, qu'est-ce que tu as fait? Chantelle, Chantelle, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Tu es encore beaucoup happy. Non, s'il vous plaît, ne fais pas ça. Non. Tu ne peux pas perdre ta vie ici, s'il te plaît. Laisse-moi rester, va-t'en. N'ouvrez pas, s'il vous plaît. Non, non. Va-t'en, laisse-moi rester, va-t'en. Je non. Pourrais certainement si je sais que tu es dans une non. cage. Va la maison. Non. Chantelle. Alors ils m'ont relâché, ils l'ont enfermé. Quoi? Mais retenir quelqu'un contre sa volonté, c'est barbare. C'est ça, c'est une prise en otage. Non, la vraie autorité doit être au courant de ça. S'il te plaît, mon fils, Pico Pico, n'appelle pas la police. S'il te plaît, c'est contre ma parole qu'ils l'ont fait. Tu sais, cette famille est si puissante qu'elle peut nier toutes les accusations et tuer ma fille. S'il te plaît, mon fils. Ils m'ont relâché à une seule condition. De ne dire moi à personne jusqu'à ce qu'ils permettent à ma fille de rentrer. S'il te plaît, mon fils. S'il te plaît. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Tu es mon seul espoir. Tu sais que cette famille est très grande et a des connexions, s'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Tu vois maintenant? Je veux dire, l'as-tu vu? Si ta fille avait écouté, tu sais, si elle avait écouté de me marier, toutes ces choses ne seraient pas arrivées. Maintenant, regardez dans quoi est-ce que toutes les deux vous vous êtes mixtes parce que vous avez choisi de souffrir. Tu
Tu sais que je ne peux pas prendre les décisions à sa place. Mon fils, je te supplie au nom de Dieu. Tu es mon seul espoir. Tu es le seul qui puisse m'aider maintenant, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lève-toi. C'est bon, ça va aller, c'est bon. Lève-toi, c'est bon. Je verrai ce que je pourrais faire pour ça. Merci, Bigo. C'est bon, ça va aller. Merci. Ah, tu as clairement déclaré que si je me lave avec le sang d'une vierge, tu rentreras à la normale. Regarde-moi. Et depuis tout ce temps, tu vis dans mon château, mangeant et buvant, sans résultat. Mais mon prince, la vieille mendiante... Mais tu m'as dit que la vieille mendiante n'avait plus rien à voir avec ça. Elle a joué dans cette situation, mais... Ah! Garde! Mon prince! Arrêtez-le. Fouettez-le. Fouettez-le jusqu'à ce qu'il s'écorche. Non, mon prince! Mon prince! Amenez-le! Mon prince, aidez-moi! Amenez-le! Amenez-le! Tu n'iras pas bien jusqu'à ce que tu aies un cœur à aimer. Et la personne devra t'aimer en retour. Tu dois apprendre à aimer. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Toi, misérable sorcière, tu oses me lancer un sortilège? Oh, je vais t'écraser. Je t'écraserai. Je t'écraserai. Je t'écraserai entièrement. Cette jeune fille ne doit pas être prise en garantie. Faites quelque chose à propos de ça. Au fait, mon prince, vous avez tout pour rendre les gens heureux. Alors pourquoi ne faites-vous pas ça pour tous? Et être bon avec tous qui sont autour de vous. Traitez vos sujets comme vous-même. Et donnez-leur l'opportunité d'avoir une bonne vie. Mon prince, ça ne vous coûtera rien du tout. À Morbihan. Oui, mon prince. Tu sais que tous les êtres humains ne méritent pas de bonnes choses. Bien, tu sais de quoi je parle. Oui, mon prince. Je sais. Mais souvenez-vous qu'il y a une loi qui dit que les bonnes choses arrivent à ceux qui osent. Mon prince, apprenez à contrôler votre colère. Ça vous aidera bien assez.
m'aidera, qui me sauvera lorsque le monde n'y se lève contre moi. Qui me sauvera, qui m'aidera, est-ce que cette voix sort lorsque le monde n'y ensemble se lève contre moi. Je n'ai pas écouté une si bonne mélodie depuis longtemps. Je ne sais pas, mon prince, mais laissez-moi aller la chercher. Contre oui. Qui oui, en effet. Qui femme, je parce que le monde s'élève entre moi. Qui m'aidera, qui me sauvera lorsque tous mes ennemis se lèvent contre moi. Oh mon Dieu, qui m'aidera, qui me sauvera lorsque mes ennemis ensemble se lèvent contre moi. Qui m'aidera, qui me sauvera lorsque mes ennemis se mettent ensemble contre moi. Qui m'aidera, qui me sauvera, qui m'aidera, qui me sauvera, qui m'aidera, qui me sauvera lorsque le monde entier se lève pour me combattre. Qui m'aidera, qui me sauvera quand le monde entier se lève contre moi. Qui enverras-tu pour me sauver quand mes ennemis ensemble se mettent contre moi? Seigneur, qui m'aidera, qui me sauvera, Seigneur, des mains des ennemis qui viennent me combattre? Viens me sauver, viens me sauver. Oh, continue, continue. J'aime t'entendre chanter. Chantal chante, il aime ta musique. J'aime écouter ta voix. Chante pour moi. Chante pour moi. J'ai le pouvoir de te garder ici de manière permanente ou de te relâcher. J'ai dit chante. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Comment oses-tu lever ta voix sur moi, toi petite souris? Mon prince, votre tempérament, s'il vous plaît, calmez-vous. Le prince peut faire tout ce qu'il vient de dire. La prochaine fois qu'il te demande de chanter, fais-le simplement. Elle a raison. Fais ce qu'il te demande de faire, s'il te plaît.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? C'est Odoese. Odoese s'est transformé en un monstre qui mange tout le monde. Un monstre qui mange tout le monde? Mais de quoi est-ce que tu parles? Odoese a ordonné à ses gardes qu'il me fouette jusqu'à ce que je meure. Mais je me suis battu pour m'enfuir. Ça, c'est triste. Écoute, j'aurais pu te déposer. Ok, mais je suis en train d'aller dans une réunion d'affaires très très importante. Hein. Donc voici ce que tu vas faire. Tu vas aller dans une pharmacie qui te prescrive des médicaments. Ok, et plus tard tu me rapportes la fortune. Je la payerai. Davidson Enterprise, tu es le plus grand, c'est le bon. Plus merveilleux. C'est bon. Ne t'occupe pas de celui-là qui mange la chair humaine. De tous les êtres humains. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, merci. De rien. Rapporte-moi juste la facture, ok? Ok. Et tu es waouh. Chantal, est-ce que tu sais que tu es celle qui rend le prince heureux depuis tous ces derniers temps? Quentin? Mm-hmm. Comment? Ta voix, Chantal. Quand tu chantes dans cette case, il est toujours prêt à t'écouter, mais tu ne le sais pas. Et c'est la seule fois que tu peux le voir sourire. Et après ça, il devient plus que sérieux. Rien, cela me laisse être enceinte. Je ne me fais pas mal. Je le déteste. Notre prince aime de la musique. Et il aime t'écouter chanter. Est-ce que tu sais ce que le diable et Dieu ont en commun? Non. S'il te plaît, dis-nous. La musique. Tu vois, Dieu aime la musique. Ainsi que les satans. Et votre prince est l'un des satans. Non, tu ne devrais pas parler ainsi. Il peut être bon, tu sais. Je veux dire, si tu le connaissais assez... Je m'en fous. Je ne veux pas avoir à le connaître un jour. Votre prince est ignoble, méchant et sans cœur. Comment peut-il punir les gens en les mettant dans cette cage? Il a construit pour son aigle précieux qu'il a laissé partir lorsque son amour mourut. S'il te plaît, Chantal, s'il te plaît, peu importe quand il te demande de chanter, fais-le simplement. Il aime trop la musique et ça le rend heureux. Chantal, sors. Le prince vous a donné une jambe là-haut. Oui. Pouvez-vous imaginer? Je veux dire, pouvez-vous imaginer Odoese a kidnappé la fille que je vais épouser? Et tu es où, moi? Laquelle des filles? Non, parce qu'il en a capturé plusieurs. J'espère que la fille dont tu parles est toujours en vie. Oh. Kemiri, comment veux-tu le laisser Odoese enfermer la femme que tu veux épouser dans son chat? Hein? Ne penses-tu pas que c'est risqué? Hein? C'est à quoi tu penses la saucisse, c'est à quoi moi je pense. Mais oublie ça, ce n'est pas possible. Hein? Tu as besoin de voir cet homme. Il est la réplique d'un gorille. Hein? Vraiment très laid. Personne ne peut l'aimer. Oh ben là, tu peux aller près de lui. Mm-mm. Mais juste comme ça, ok. Je pense que tu devras ramener ta femme. Comment ose-t-il te challenger? Le ok. Miri Andu, territoire au boulot. Là, Jeanne Boucané qui nous nourrit et là. À la bouche. Hein? Tu es la seule personne qui peut le challenger. Et nous savons tout ce qu'il ne peut rien te faire. Hein? Je ne comprends rien du tout. Chantal. Tu n'es plus ma prisonnière. Je t'ai libérée parce que tout le monde dans le château m'a imploré
Il semble que tous t'aiment. J'aimerais que tu chantes toujours pour moi chaque fois que je te le demanderai. Parce que tu vois, la musique est la seule chose qui réchauffe mon âme. Donc, tu es libre de te balader dans tout le château, sauf dans cette pièce. C'est ma pièce secrète. Mais... ne te comporte pas comme ta mère. Regarde-le. Il ne parle jamais pendant que je le fais. Tu iras dans ta chambre. Rafraîchis-toi et change tes vêtements. Chica. Oui, mon prince. Conduis-la dans sa chambre. D'accord, mon prince. Je t'accompagne dans ta chambre. On y va. Il veut tuer mon enfant et me laisser sans enfant. Dieu. Dieu, regarde ce que la pauvreté peut causer. Le fort et le puissant de cette ville a enfoncé ses mains dans mes yeux. Et je ne peux rien lui faire. Qui suis-je? À qui t'entourerai-je? Dieu. Quel monde cruel. Ça va. Un monde cruel, ça Dieu. Va. Ne pleure pas. Tu sais, Dieu lui-même va intervenir dans ce problème. Oh. Et Chantal sera là. Écoute, s'il te plaît, arrête de pleurer, d'accord? Eh, tu vas voir. Ça va. Jay. C'est ce matin que j'ai appelé que Odoese a capturé ta fille. Hein? Tu peux imaginer ça? Jay. Tu n'es que né. Désolé, hein? Désolé, Oné. Ça va aller, ça va aller. Hein? Ça va aller. J'ai dû parler de ça à ton beau-fils et il sait quoi faire. Et il a fait une promesse. Hein? Même les policiers sont au courant de ça. Ils sont au courant. Et je crois que la justice viendra de ton côté. Oh? Et si ma fille mourait avant que justice ne soit non. faite? Non, ça ne passera pas comme ça. Non. Que gagnerais-je? Tu ne peux pas dire ça. Ne sont-ils pas les propriétaires de toutes les polices de cette ville? Ne le sont-ils pas? C'est bon, ça va. Ça va, calme-toi. Tu n'es que... Ça va finir, avant que tu ne le constates. Odoese. Quel homme méchant. Il est vraiment inhumain. Oui. Hein? Désolé, oh. Tout ira bien. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Antonia. Je l'ignore, mon prince. Et pour être dans... C'est l'heure du dîner. Et pourtant, mon dîner n'a pas été servi. Conduis-moi dans le trou où elle pourrait se trouver. Oui, mon prince. Sur le champ. Ayo mama, ayo.
Ayo, mama, ayo. A double one, ma'am. Ayo, mama. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chantez. Chante, ma chérie. Je ne mords pas. Chante. Je dis chante. Avez-vous vu ça? Je parle et elle s'en va comme ça? Je pense que je la renverrai dans la cage. Et cette fois-ci, ce sera pour toujours. S'il vous plaît, mon prince, je vous en supplie, ne l'enfermez plus. S'il vous plaît. Ne l'as-tu pas vu? Je l'ai relâchée pour qu'elle puisse chanter pour moi. Elle a refusé. Elle ne chante que pour vous. S'il vous plaît, mon prince, donnez-lui un peu de temps. Elle n'est pas allée bien loin. Je crois qu'elle sera bientôt là. S'il vous plaît, mon prince. S'il vous plaît. Où est Antonia? Elle est à la cuisine. Demandez-lui de me servir mon repas. Maintenant! Je dis maintenant! Je veux voir le prince. Je ne peux pas voir le prince. Je dis, je veux voir le prince. Le prince est occupé. Va dire au prince que je veux le voir. Pour ta raison de sécurité, tu ne peux pas le voir. Écoute, je veux... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon prince, ce jeune homme est venu ici en criant et dit qu'il peut vous voir. Tu es un monsieur... Davidson. Davidson Ndoukako. Davidson Ndoukako. Ah, mon frère, comment vas-tu? Merci. Tu vois ces gardes, ils sont animés d'enthousiasme dans leur désir de me protéger. Pardonne-leur. Que puis-je faire pour toi? Bien, Votre Majesté, je suis en fait venu vous voir parce que j'ai eu de très bonnes informations, de sources très sûres, comme quoi certaines personnes ont disparu dans ce royaume et que vous les avez en otage. Je vais te dire, j'inclurai cela dans mon rapport à la police à la fin du mois. Merci pour m'avoir souligné cela. Fantastique. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour obtenir une telle information? Comme je l'ai dit, c'est une source sûre. Oh bien, merci, merci beaucoup. Bien, tu devras m'excuser. J'étais en train de faire quelque chose lorsque tu es arrivé. Excuse-moi. Votre Majesté, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En premier, je suis un indigène de ce village et j'ai toutes les raisons et tous les droits d'avoir accès à vous. Mais cet idiot m'a empêché d'entrer. Et en second, Vaudre, vous me répondez derrière un pagne. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Bien, monsieur Davidson Ndoukako, je pense que je te le dirai plus clairement maintenant. S'il te plaît, sors de mon château. Ok, Votre Majesté, puisque vous avez décidé de rester muet, je vais passer à l'étape suivante. Je suis ici pour Chantal. Je veux que vous relâchiez Chantal.
Oui, vous connaissez Chantal. Ne faites même pas comme si vous ne la connaissiez pas. Elle est Chantal. Chantal que vous avez changée pour sa mère. Je veux la reprendre. Monsieur Davidson Dukako, s'il te plaît, sors de mon château. Je ne vais nulle part. Je veux que vous me rendiez Chantal. J'ai dit, sors d'ici. Dégage-moi. Sors d'ici. Je vais m'en aller. Mais j'espère que vous connaissez les conséquences. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai dit dehors. Tout de suite. Si tu ne sors pas dans un délai de 2 minutes, je t'enfermerai. Je vous envoie tous les deux pour que vous alliez surveiller ce château. Aussitôt que vous la verrez, attrapez-la et ramenez-la ici. Mais monsieur, que se passera-t-il si les gardes du château, ou même le prince Maurice, nous attrapent? Ils ne vous attraperont pas. Personne ne vous attrapera. Depuis que le sort a été lancé, personne ne sort de ce château. C'est seulement Amobi, le garde du corps, qui peut sortir. Et il fait cela en cas de permission spéciale du prince. Alors comment ils font pour avoir leur commodité? Je veux dire, comment ils font pour avoir leur nourriture et d'autres choses? Eh, tu vois, tu parles comme si tu avais oublié qu'il est le Odoese, le Ouedoese du territoire de Bolo. Tout ce dont ils ont besoin dans ce château est fourni par Am. Ils ne vont pas vous attraper. Personne ne sort de là. Chantal est une fille très intelligente. Et je sais qu'elle s'enfuira loin de ce lieu. Alors, comme j'ai dit, vous vous tiendrez là-bas, jour et nuit. Je vous enverrai des repas de temps en temps. Vos désirs sont des ordres, monsieur. Bien. Ozoma va vous amener dans ce château. Je répète, tenez-vous là-bas, jour et nuit. Quand vous la verrez, attrapez-la et amenez-la à moi. Peu importe le prix, pas d'excuses. Ai-je été assez clair? Oui, monsieur. Je dis, ai-je été assez clair? Oui, monsieur. Je vous donne 10 minutes pour vous apprêter. D'accord, monsieur. Il ne sait pas ce qu'il attend. Je ne peux pas vous montrer l'endroit à partir de la barrière. Maintenant, entrez-y et allez de l'autre côté de la barrière. Hein? Ils viennent rarement à cet endroit. Hmm? Maintenant, cet homme est très méchant. À cause de sa méchanceté, Chantal doit être en train de se battre pour sortir. Une fois qu'elle sera dehors, vous l'attrapez et vous la ramenez à Davidson. Vous comprenez? Oui, Nadia. Très bien. Allez à l'intérieur, relaxez. Hein? Oui, oui, merci. Je me disais bien. Et si Chantal est celle qui allait aimer le prince et briser la malédiction? Et si c'était elle? Odena, parfois, tu parles en ne réfléchissant pas. Comment penses-tu que Chantal va oser aimer le prince? Écoute, même une simple mendiante dans la rue, ne pourrait pas l'aimer. Et je n'ose même pas penser que le sort sera brisé. Oh, voyons, ne dis pas ça. Je veux que ça cesse. Je ne voudrais pas demeurer dans ce palais pour toujours. Je ne le veux pas.
Moi aussi. Je voudrais me marier. Avoir mes propres enfants. Ok, regarde, à ce moment, ça donne à qui enfermer dans cette cage. Qui sera la personne suivante? Ça pourrait être toi. Moi, Ambrose, entre dans cette cage. Je le tue. Je détruis cette cage et je disparais. C'est bon, je t'ai compris. Au lieu de faire face au prince, je disparais. C'est bon. Allons, allons-y. Mon prince, tout le monde dans ce château a refusé de boire ou de manger quelque chose. Ils ne sont pas contents qu'Adanois soit dans la cage. Mon prince, ce qu'Adana a fait n'était pas intentionnel. Amobir. Oui, mon prince. Comment peux-tu être si sûr? Adana veut se moquer de moi dans mon propre château. Chantal. Oui, mon prince. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure de la nuit? Je viens avec une requête, mon prince. Anna de la cage. Une demande. À quel sujet? Je viens vous supplier de sortir Adana de la cage. Oh. Ainsi, je chanterai pour vous, mon prince. Est-ce la seule condition pour que tu chantes pour moi? Avec tout le respect. Oui, mon prince. Très bien. Amobi. Oui, mon prince. Va relâcher Adana. Oui, mon prince. Assieds-toi. Olisa binigwe doberanyo doese. Le Olisa binigwe doberanyo doese. Kare cheri kaba. Olisa binigwe doberanyo doese. Le Olisa binigwe doberanyo doese. Kare cheri.
Écoute, elle est dehors. Alors, tu vas prendre de ce côté-là. Et puis, moi, je te suis derrière et on la prend. Tu l'as vu? Oui, elle est là. Allons-y. Mais si les gardiens nous attrapent. Il n'y a personne. Les gardes sont pas laissés à l'intérieur. Je t'ai bien demandé de ne pas t'approcher de cette pièce. Tu m'as désobéi. Oh, tu auras affaire à moi. Je te punirai pour ça. Tu auras affaire à moi. Quel diable êtes-vous? À l'intérieur. J'ai dit rentre à l'intérieur. Pourquoi t'es-tu enfui comme ça? J'avais peur. J'ai cru que tu me tuerais. Tu sais, tu es vraiment colérique. Et je n'aime pas votre humeur. Et en passant, merci d'avoir sauvé ma vie. Tu n'aurais pas dû t'enfuir comme ça. J'étais juste en colère. Tu sais, tu dois apprendre à contrôler ta colère. Vraiment. Ok? Merci encore. Le piment ou même un produit comme l'acide.
que tu as mis dans cette bouteille pour qu'elle mette dans ses yeux. Vous êtes inutile. Vous ne valez rien. Idiot. Comment pouvez-vous? Est avec le prince. Bah, s'il te plaît, ferme ta bouche. On sait tous que Odo Ese ne sort jamais du château. Alors qu'est-ce que tu me racontes là? Monsieur nous dit... Pour me dire que tu attendais Uzoma. Lorsque toi et moi savons qui Uzoma est. Un homme qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui seul. Sais-tu ce que j'ai mis dans ceci? Sais-tu combien j'ai dépensé dans ceci? Sais-tu combien j'ai payé ces deux losers? Je veux dire tu... Que faut-il qu'on vous donne pour que vous ne reveniez plus ici? Je veux seulement mes outils de travail, c'est tout. S'il veut saisir ma paye après que j'ai travaillé pour lui, je m'en fous, mais qu'il me donne mes outils de travail. C'est tout? Oui. Ok, je verrai ce que je peux faire. Je vous en prie, mon prince, permets qu'il s'en aille. Oh, Chantal, ne me pleure pas. Je déteste quand tu me pleures pour que j'accorde sa volonté. Parce que son maman fait verser du sang innocent. Oh, je déteste les humains. Je les déteste tous. Y compris moi? Hmm? Suis-je ton ennemi? Non, tu es mon ami, mais tu sais, en réalité, je déteste les humains. Ils sont insensibles, méchants. Je les déteste, je les déteste aussi. Tiens, déteste. C'est bon. Ça va, calme-toi, ok? Alors fais le sang, Pedro. Tu te sentiras mieux après. Oh, ça me fera du bien. Merci. Oui.
Lorsque j'aurai fini avec toi, tu n'oseras plus jamais t'approcher de mon palais. Fouette-le. Pardon. J'ai dit fouette-le. Pardon. Fouette-le. 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 Pardon. 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 Que dis-tu des personnes qui sont remplies de tellement de haine? J'ai remarqué que vous avez du ressentiment pour les femmes. Oh, Chantal. Puisque tu es la seule personne qui a pu me poser cette question, je vais te répondre. Je hais les gens après l'horrible expérience que j'ai vécue. J'étais un bel homme comme tous les autres. J'aimais mon peuple. Je me disais bien que nous étions un. Je les traitais donc tous comme les miens jusqu'à ce qu'un soir. En train de faire des petits cadeaux aux enfants. Je les prenais comme mes enfants. Je les aidais dans leur éducation comme je le pouvais. Jusqu'à ce que je reçoive un appel du médecin de la famille qui me demandait de venir immédiatement parce que mes parents étaient dans un état très critique.
Oui, allô? Oui, oui, mais qu'est-ce que tu dis? Maintenant? Ok, je serai là-bas dans les minutes qui suivent. D'accord, d'accord. S'il vous plaît, les gars. Oui, mon prince. Je m'en vais quelque part. J'arrive. Ok, ok, d'accord. D'accord, mon prince. Il respire difficilement, depuis plus d'une heure maintenant. Mais docteur, va-t-il se sentir mieux? Nous soignons, Dieu guérit. Et qu'en est-il de ma mère? Où est-elle? Vous la verrez. D'ailleurs, allons-y. Je vous conduis dans sa chambre. Allons-y. Pourquoi as-tu hurlé? Allez, arrête de pleurer. Ma mère. C'est ce jour-là qu'elle a rendu l'âme. Je l'aimais de tout mon être. Je l'aimais de toute ma vie. Le jour qu'elle est morte, quelque chose est également mort à moi. C'est touchant. Et que s'est-il passé par la suite? Mon père avait été transféré à l'étranger. Il s'est battu pour survivre. Et les anciens avaient convoqué tous les cuisiniers du palais. On avait découvert pendant l'autopsie que c'était un empoisonnement. C'était bien, et surtout dites la vérité. Hey, mon prince, je l'ai fait, je l'ai pas, je l'ai empoisonné. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, je l'ai fait, je l'ai empoisonné. Amaka, notre chef cuisinière avait empoisonné mes parents. Oh, mon prince, s'il vous plaît. Son plan était de supprimer toute la famille royale. J'étais chanceux de n'avoir pas mangé en sortant de la maison. Mais pour quelle raison aurait-elle voulu tuer tes parents? Ezeoke était l'ami de mon père qui avait soudoyé la cuisinière parce qu'il voulait le trône par tous les moyens. Qu'est-ce que le monde est méchant? Oui. Oui.
prince. Je n'avais personne là-bas. Mon prince, je n'avais personne dans cette maison. Donc il n'y a personne? Non, mon prince. Mon prince, je n'avais personne là-bas. Amobi. Mon prince. As-tu vu quelqu'un là-bas? Non, mon prince. La maison est vide. Allons-y. J'ai commencé à haïr les gens. Et j'ai quitté le palais pour bâtir ce château. Mon père avait beaucoup fait pour cette famille des Eoké. On s'est rendu chez Amaka. Je suis innocent, mon prince. S'il vous plaît, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Assez. Assez. Ndo Yeli a tué ta fille. Écoute, je veux tout ce que mes parents ont acheté pour toi. Je n'ai rien fait. Tout jusqu'à la dernière pièce. Biko, Yukwe. Oui, Biko, Yukwe. Biko, Biko. Votre Majesté. Biko, Yaneva, Biko. Biko, Biko. Yukwe, Biko. Yaneva, Biko. Ayez pitié, mon prince. Votre Majesté, ayez pitié de lui, s'il vous plaît. Votre Majesté, ayez pitié de lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez pitié de lui. Biko, Biko. Yukwe, Biko. C'est tout? Biko, Biko. Yukwe, Biko. Biko. Biko, Biko. Oui, mon prince. On y va. C'est pour cette raison que je suis comme ça aujourd'hui. La mendiante m'a dit que je resterai comme ça jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'aime tel que je suis. Et moi, personnellement, tomber amoureux, est-ce que ça peut être possible? Oh, c'est pour cette raison que je hais les femmes. Même cette mendiante. Oh, elle est certainement une envoyée de mes ennemis. Tu vois, c'est pour cette raison que je hais les femmes. Je les hais. Ça va, ok, je te comprends. On prend ce temps de n'être que 20 secondes pour quitter ce château. Oh, oui, oui, oui. Toutes tes affaires sont dans le sac. Oui, 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 oui. Tout se trouve dans ce sac. Il ne reviendra plus jamais ici, même pour 1 milliard de naira. Tu sais, j'ai tout mis dans son sac, y compris le squelette. Chantal, il m'a été rapporté que
tu n'as rien avalé depuis le matin. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma mère. Oh. Elle me manque tellement. Je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'elle se porte. Non, Chantal, ne parle pas comme ça. Bien sûr que ta mère se porte bien. Elle est bien en vie. Je me demandais si je pouvais la voir, même si c'est pour une seconde. Je vous promets que je reviendrai. Chantal, je veux que tu saches que tu es différente de tous les autres occupants de ce château. Tu n'es ni servante ou prisonnière. Sens-toi libre de faire, de prendre ou de partir où que tu veux y aller à n'importe quel moment. Merci. Tu es libre. Tu es comme une sœur pour moi. Tu m'as apporté beaucoup de bonheur. Merci. Ouvre tes yeux. Mais à qui sont-elles? À toi et personne d'autre. Tu n'aurais pas dû. C'est vraiment beaucoup. Tu n'aurais pas dû. En fait, ce sont des tenues pour reine. Et je ne suis même pas une princesse. Oh, Chantal. Chantal, rien n'est beaucoup trop pour toi. Rien. Je suis l'héritier du trône du royaume d'Obudu. Et je peux choisir qui je veux pour être ma reine. Je veux juste que ta mère sache que tu n'es plus une prisonnière et que tu es libre de faire, de partir, de revenir, de prendre ce que tu veux dans ce château. Ceci n'est qu'un symbole de mon appréciation pour le bonheur que tu as porté dans ma vie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Vraiment, c'est beau. Merci beaucoup. Tu vois, non. Quand je t'ai demandé d'écouter l'opinion des autres, tu pensais qu'il était mauvais. Maintenant, regarde-toi, non. Regarde comment il t'entend maltraité comme une vieille voiture. Tu vois, non. Remercie le ciel parce qu'il t'entend les vous deux, hein? N'es-tu pas content d'être chanceux, d'être venu en vie? Hein? Ils auraient cassé ta tête là en morceaux. Non. Où, Zoma? Tu as encore le courage de parler. Tu as encore la force pour ça. En passant, où est ta tête? Il est papa. Tu as appelé la police. Et tu vois, bon. À la police? La police, non? Où, Zoma?
N'aie pas ton temps. N'aie pas ton temps. As-tu vu le... J'ai tout repris. Et tu vois, il a là la police? Ça dérange en quoi, non? Là. L'autre sexy pèse. Il te faut un chargeur. Je remercie Dieu parce que la police a interféré dans cette affaire. Guigny, ma chère, quand ils viendront, je voudrais que tu leur dises tout ce que tu connais de cette affaire. N'aie pas peur de leur donner une information. Waouh! Je vois que la police est déjà là. Très bien. Ce ne sont pas des policiers. Oh. Quoi? Qui est-ce alors? Maman! Je vais bien. Chantelle! Bonjour. Hey, ma fille! Bon après-midi. Bon après-midi. Oh! Oh, pardon. Eh, oh! Prince! Hey! S'il vous plaît, transportez les affaires à l'intérieur. Maman, merci. Qu'est-ce qui se passe? La police? Dans cette affaire que je croyais terminée? Non. Si je ne peux pas aider Davidson à réussir cette affaire, je quitterai cette ville immédiatement. Hey! Jamais! Je ne te laisserai jamais retourner là-bas. Okene! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu raisonnes différemment. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, s'il te plaît, parle doucement. Les gens nous écoutent. Et alors? C'est pas mon problème. Hey! Un homme qui t'a éloigné de ta famille, qui a fait de toi une prisonnière et t'a enfermé dans une cage. Et c'est chez le même homme que tu voudrais rentrer. Maman, il a déjà changé. C'est mon ami et on s'entend très bien. Et en passant, je n'ai pas l'air d'une prisonnière. Chantelle, je ne sais pas ce que tu racontes. Laisse-moi te dire ceci. Davidson est beaucoup mieux que ta bête de paix. Maman, je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des comparaisons maintenant. Suis-je en train de me marier à lui? Je me suis fait comprendre. Tu ne rentres pas chez lui. Un point, c'est tout. Ok, né. Hey! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais ça sont des bêtises, des foutaises. Comment est-ce qu'elle peut rentrer là-bas après tout ce qu'il lui a fait? Je ne sais pas. Je ne comprends même plus l'autre là. Elle se comporte comme quelqu'un qu'on force seulement. Chantal n'est pas dans son bon sens. Je le crois. Mais je veux dire, comment est-ce qu'elle peut rentrer en prison alors que Dieu l'a libérée? Comment? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je suis venue te dire de venir la lever.
Je n'aimerais pas que ces gens la voient quand ils la chercheront. S'il te plaît. Cette fille a été charmée. C'est bon, rentre juste à la maison, je veux réfléchir à quoi faire. Ok. Mais ça, c'est les bêtises. Ok, merci. Comment est-ce qu'elle peut aller là-bas? Merci. Vas-y juste. D'accord. Il faut partir. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut chanter? J'aimerais un peu sourire. Oui, mon prince. Nous pouvons chanter. Oh, bien. Alors, chantez pour moi. On aime boigner. Maman, aïe. Maman, aïe. On aime boigner. Maman. Arrêtez. 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 Vous voulez dire qu'aussi vieille que vous l'êtes, vous ne pouvez pas chanter une chanson, une douce chanson? Ah. N'est-ce pas une fille comme vous qui chante et le monde entier arrête de tourner? Que pouvez-vous faire d'autre à part cuisiner, manger et... Partez. Partez. Oui, votre majesté. Ne me touche pas. Ma princesse. Ne me touche pas. Tu vois, je fais tout ceci seulement pour ton propre bien. Oui. Nous ne voulons pas que ce chimpanzé de prince te capture encore. Non, je ne peux jamais l'appeler ainsi. Tu vois, ce que tu sais pas, c'est que tu es en fait sous un sort. C'est toi qui es sous un charme et non moi. Bref, tu resteras ici. Hmm? Oui, jusqu'à ce que tout ceci finisse. Quoi? Excuse-moi. Et toi, tu peux rentrer de là où tu viens. Non, je n'irai nulle part. Mon mec va me tuer si je ne reviens pas avec elle. De la loyauté. J'aime ça. Alors, tu resteras ici avec elle. Oui. Oh, beauté, enferme-les. Lâche-moi. Avance. De moi. Écoute, ne me touche plus. Marche, non. Tu me le gardes. Marche là-bas. Suis. Non. Aucun signe d'un quelconque occupant. J'ai cherché partout. Hé, petit. Excuse-moi. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. Je cherche les occupants de cette maison. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a absolument aucun problème. Tantine Chantal a déménagé pour aller vivre dans la maison de Mekere ce matin. Tu entends ça? Qui est-il? C'est un chef. Il habite vers la route de Méré. C'est Fouquet Méré. Oui.
celui qui vit près de la route. Merci beaucoup, merci. Je le connais. Merci, hein. Bye bye. Allez, viens, on part. Ok, merci, petit. Viens, 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 on part. Ok, ok. Entrez dans la voiture. Entrez dans la voiture. Je vais voir qui ose faire de Chantal une prisonnière dans cette communauté. Non. Le prince là ne peut pas s'affronter. Même si il vient. Et toi, comprenez les implications d'une prise en otage. Oui, bien. Je n'engagerai pas de poursuite. Et j'oublierai même que cette discussion a eu lieu en quelconque jour. Si des hommes et toi disparaissaient d'ici, tout de suite. Maintenant. C'est à ça que ressemble le prince. Et du Wawa. C'est lui? Et du Wawa. Mais c'est ce monstre.
ta fiancée préfère avec lui. Que veux-tu dire par là? Je suis désolé. C'est juste de dire que ce à quoi il ressemble ne devrait pas être important pour nous. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est comment aller la faire sortir de là. C'est ce que je dis. Mais attendez une minute là. Comment est-ce qu'elle se soit enfuie? Non mais comment? Mais ma... Oui. C'est pas lui. Comment sont tes sorties? Hé! Hey. Hé! Hey. Solo! Viens ici! Allez, viens! Tiens-toi là! Comment sont-elles enfuies? Non, j'ai... Tu dormais? Tu dors au travail? Je ne dormais pas, je... Alors je te paye pour dormir, c'est ça? Et toi, comment sont-elles passées? Mais quoi, parle-moi, mais... Mais laisse que je te montre. Me montrer quoi? Comment ça s'est passé? Avance. Toi, je veux m'occuper de toi. Allez, avance là-bas. Donc c'est quoi tout le monde? Oui. Oui, il est là. Ok, officier. Demandez aux ordres de s'éteindre. Aux ordres, monsieur. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Fermez-la. Regarde, le problème, c'est quoi? J'ai dit, fermez-la. On va y avancer. Avancez. Tu parles. J'ai cru que tous les deux étaient enfermés à l'intérieur. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Imagine, je ne sais pas si. Comment peux-tu penser qu'on s'est enfermé? J'ai parlé de cet homme au Camille. J'ai parlé de ce type. Officier, c'est lui qui l'a porté dans la maison. Chief, hein? Vous devez nous suivre parce que vous êtes accusé du meurtre d'une certaine Chioma. Vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera utilisé contre vous à la justice. Oya, avancez. Avancez. Je t'ai dit. Je ne m'appelle. Fais ta gueule. Qui est-il? Et pourquoi ton sujet l'intéresse tant? C'est mon prétendant. Il veut m'épouser. Au fait, il est la personne qui envoie les gens ici pour me kidnapper. Je vois. Bien, il est très beau et très riche. J'entends parler de lui de temps en temps.
La beauté, au fait, pour moi, est relative. La beauté ne s'attarde pas qu'au physique. Elle vient de l'intérieur. Ma chère. C'est douloureux de le dire. Je veux le meilleur pour toi. Et si cet homme possède toutes les qualités dont une fille a besoin, accepte-le. Épouse-le. Je ne peux pas t'offrir ce que... Non, je ne peux pas l'épouser. Je ne vais pas l'épouser. Cet homme est arrogant et très impoli. Il ne sait surtout pas comment traiter une femme. Je ne veux pas aller avec lui. Je suis vraiment heureuse ici. Chantal, tu ne peux pas vivre ici. Je ne veux pas être égoïste. Je t'aime, je dois la vie. Mais je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves pour un vieil homme comme moi. Je ne le mérite pas. Non, ne dis pas ça. C'est vrai. Tu mérites encore mieux. Tu sais, tu mérites encore mieux car je te connais. Tu n'es ni vieux, encore moins laid. Tu es une merveilleuse personne, ta beauté te vient de l'intérieur. Et tu mérites encore mieux que ça. Car je t'aime. Tu es libre. Tu es libre. Oui. Je t'aime. Tu es libre. Qui va pas. Plaisir, regarde. Regarde, c'est ça. Non, ouf ça, non. Ouf ça. Oh, mon Dieu. Je disais que tu vivais dans cette maison avec un serpent. Tu ne me croyais pas. Des sourcements? C'est ça. Est-ce qu'il me rassure même que ce ne ce sont pas les autres, la fille, en temps là, cucucus, à voiture. Qu'est-ce qui nous rassure? Sors avec ça. Sors avec ça d'ici. Dehors. Où Zama? Des ossements. Dans ma maison. Tiens-toi là. Alors se trouve le corps de Choma. Ils m'ont d'abord demandé de disséquer le cadavre.
d'enlever la chair et ensuite de garder le squelette. Eh bien, dis-moi où se trouve le squelette. C'est dans le château de la princesse, de l'autre côté de la maison. Ah, salut. Ah, mon commissaire. Oui. Ah, mon commissaire. Ah, c'est oui, une bonne chose que vous soyez là. Ouvre ça. Les ossements humains. Les os. C'est le sac de cet homme. Dans mon bureau. Oui, il a porté des ossements dans ma maison. Mais mon ami, viens par ici. Viens. Ne me touche pas. J'ai cru t'entendre me dire que c'était au château. Où il y en a plus? Bien sûr, il y en a plus. Vous voyez cet homme? C'est la main droite du prince. Et j'ai de bonnes informations comme quoi le prince a fait couler beaucoup de sang. En fait, à l'heure où je vous parle maintenant, la fille que je veux épouser est tenue captive dans ce château. Oui. Alors voici ce que je voudrais que vous fassiez. Nous devons aller là-bas et l'arrêter. Oui, je vous ai donné toutes les preuves dont vous aviez besoin. Allez juste là-bas et arrêtez-le. Oui. Tu as porté des bêtises dans ma maison. Attends, la porte de sac à lèvres d'ici. Amène-le loin. Y'a pas de problème. On va trouver une solution par rapport à ça, d'accord? Criminel. On va régler ce problème. Officier. Mes chers confrères, je dois dire que je suis la personne la plus contente depuis que j'ai retrouvé mon propre corps hier. Et à cause de ça, je déclare une grande semaine de célébration. Et ça commence ici dans ce château. Et après, je vais l'étendre dans toute la communauté. Voyez-vous, je vous suis tellement reconnaissant d'avoir été là pendant tout ce temps. Merci à tous. Je vous en prie. Bien, mon frère. Et je veux également utiliser cette opportunité pour vous demander tous pardon. Quelle que soit l'offense que je vous ai faite, trouvez la force dans vos cœurs pour me pardonner. Je vous en prie. Bien. Et à cause de ça, je fais un toast. Messieurs. Mon ami, avance. Puis-je vous aider? Mon ami, je vois seulement personne correspondant à la description que tu m'as donnée dans mon bureau. Alors, où est-il? Mon ami, tu dis gentil ou quoi? Tu as dit que le prince est noir, horrible, grand et tout répugnant. Comment se fait-il que tu montes maintenant ce jeune homme? Il était noir et barbu. Messieurs, fouillez-moi cette maison. Il était noir et laid. Il a changé. Changé. As-tu encore toute ta tête, mon ami? Changez. Officier, pour vous aider, mais confrère, avions-nous un quelconque vieillard dans mon palais? Non, prince. Mais tu as dit que le prince était grand, noir, horrible et tout répugnant. Et toi, Wawa? Monsieur, y'a personne dans la maison. Y'a personne dans la maison, hein? Oui, monsieur. Et tu wawa. Écoute. Pourrais-tu s'il te plaît me dire exactement ce qui se passe ici? Pourrais-tu s'il te plaît m'expliquer ce mystère du changement de passage de vieil homme à passage de jeune homme? Je suis confus. Tu es confus, hein? Tu es confus. Embarque-moi ce monsieur. Allez avec lui. Que dire de plus? Espoir et longue vie. Hey. Amusez-vous, il y a tellement de vin. Amusez-vous. Je suis content. Merci. Le prince est content. Le prince a retrouvé.